tompoklasy tompoko vavy faly miarahabantsika rehetra tonga amin'ity fotoana famaranana ny 50 taonan'ny doc Seonivony aisoratra sy hosodoko ity izay natao teto Meudon nandritra ny iray volana fotoana mamy faranana amin'ny fizarana mamy. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre participation et de votre venue. En même temps, on profite pour remercier tous ceux qui sont venus tout au long de ce mois de célébration à travers la peinture et la poésie du 110e anniversaire de Dox. C'est un événement qui nous a marqués avec la participation des peintres qui se sont inspirés, qui ont été interpellés par les textes et la poésie de Dox, présentes ici, donc Anna Marfour et Pascal Coutou, qui sont les artistes avec des talents incroyables. Il y avait aussi Jean-Genève Ravel, il viendra, mais peut-être avec un peu de retard. Voula Alice, il y avait d'autres peintres. Peux-tu m'aider un petit peu sur la liste de ceux qui étaient là? Gaston Rangia, Amchoun, Asma, Delphine Michaud. Et Sandré, ou Sandré, Sandré. Qui vient de Bretagne, ou Sandrine. Oui, Christian Raëlville. Et voilà, donc c'est le texte de Dox qui nous réunit. C'est la poésie de Dox. Et maintenant, Souradzavn, qui va nous interpréter une chanson. Mais déjà, je tiens quand même à remercier tout le monde, surtout pour cette finissage aujourd'hui. On a vraiment fait le choix de finir avec les peintres. Et puis les photographes ici présents, et puis les amis que je remercie intensément. L'association Paris Madagascar, donc, qui avait organisé cet événement, est vraiment ravie de remercier même tous ceux qui ne sont pas là, mais qui nous regardent. Ça fait partie de nos publics. Et depuis récemment déjà, ça a été dans le 110e anniversaire aussi, quand on a été au festival de la Voix du Monde en Normandie, ça a été vraiment, vraiment, ils ne connaissaient pas Madagascar et ils ont connu Dox lors de ce festival-là. Et on remercie aussi ces gens-là parce qu'on sait qu'ils nous regardent. Donc voilà. Merci à tous. Merci à tous.